Te klaxonne. Ça c'est rien, c'est une lumière. C'est comme ça que ça se tient. Ça c'est pour avancer. Ah, mon amie partout, elle s'est levée avant moi, cet enfant. Et coucou tout le monde. Maman, elle a une super tête de naze. C'est trop classe. J'espère que vous allez bien. Eliora, elle est super bien. Là, elle est en train de jouer avec Monsieur Patate, le décor avec des morceaux de plastique, tout va bien. Alors, si vous aussi vous avez cette tête-là le matin, mettez un petit pouce bleu. On va se la jouer comme ça maintenant, parce que pas le choix. Et puis voilà, aujourd'hui, ça va être rangement, parce que du coup, j'ai pas refait le ménage depuis 4 jours. Samedi, et on est mardi, et en plus... J'ai une copine qui vient avec sa fille ce soir. Pour celle qui la suit, vous la suivez peut-être, c'est Maman Flouche. Donc du coup, je suis assez contente. Elle y aura en plus, va être est contente parce qu'elle a une copine. Parce que Eden, la fille de Lali, elle est juste un petit peu plus âgée qu'elle y aura. Mais du coup, ça peut faire des super copines. Donc voilà, moi je vais boire mon petit café, travailler sur mes vidéos, faire le montage du vlog d'hier. Et puis voilà, c'est parti pour la journée. Non, mais regarde-moi ce petit monstre. Si c'est pas le plus beau petit monstre de toute la terre, tu fais coucou? Non. Qu'est-ce que tu fais? Aouh! Tu fais le loup? C'est les chevreuils. Yes, les chevreuils. Yes. Bon, ça y est, je lui ai mis sa petite robe H&M qui me fait trop penser à une robe de Sailor Moon. Là maintenant, je me speed, je vais dans la douche, je vais essayer d'aller passer un peu de temps avec mon papa. Et après ce soir, donc j'ai ma copine qui vient et je pense qu'elle sera là vers genre 6h, 6h30 à la maison. Donc du coup, ça fait un peu speed. Bon les amis, il se passe un truc de ouf. Regardez, c'est un bébé plante qui est en train de sortir. Regardez ça, il y en a plusieurs. C'est le basilic, je vais remettre de l'eau parce que là c'est tout sec, mais c'est en train de sortir. Ah oui, bon là il n'y a toujours rien. La menthe elle sort pas, non. Et les fraises, elles sortent pas. Mais le petit miracle de la vie s'est produit dans ma cuisine quand même. Allez, on va les arroser? Ouais. Bon, à table! Comment ça, non? C'est midi et du reste, je lui ai fait du poisson pané, des petites chips de carottes. En fait, c'est des carottes que j'ai découpées en rondelles avec un peu d'huile d'olive et de sel de fleur que j'ai mis au four. Et tomates concombres. Voilà. Eliora est en train de jouer, elle a fini de manger et j'ai reçu mon petit colis Mix Nature que j'attendais. Alors avant de vous montrer ce qu'il y a dedans, autant vous expliquer ce que c'est. Mix Nature, ça fait super longtemps que j'ai envie de commander chez eux. Et en fait, via Octoly, ils m'ont proposé de tester. Et en fait, Mix Nature, ce sont vos produits cosmétiques, shampoing, après-shampoing, crème, gel douche et compagnie, nettoyant visage et tout. Donc ce sont des produits que vous composez vous-même. Il y a des bases, peau normale, peau grasse ou peau sèche. Sur tous les produits, c'est pareil pour les cheveux gras, cheveux secs, cheveux... Il y a toutes les bases possibles. Et vous les composez ensuite avec, avec en fait tout ce qu'ils vous proposent et qui va ensemble. Il y a différentes catégories.
Donc j'ai reçu mon petit ma petite commande ce matin. Déjà la boîte elle est trop canon et c'est trop chou qu'ils mettent. Alors ensuite, arrête Eliora, c'est pas toi qui fais, c'est maman. Là c'est leur idée, donc c'est tout ce que je vous racontais. C'est super bien. Dans le couvercle il y a leur histoire. Vous êtes unique, vos cosmétiques devraient l'être aussi. Et à l'intérieur il y a ma commande. Donc il y a ma commande qui est super bien emballée, franchement nickel. Donc j'ai commandé 4 produits, je vais vous montrer. C'est beau chérie, alors déjà les packaging sont magnifiques. Et en plus je vous ai dit des bêtises, j'ai 5 produits et non pas 4. Maman. Ça c'est mon gel douche. Oui maman. Hop. Pour toi, pas le casting. Oui, ça c'est mon shampoing. Un shampoing maman. Ça c'est mon shampoing cheveux gras. C'est le shampoing maman. Oui, c'est le shampoing de maman. Ça quoi maman? Ça c'est ma crème pour le visage. Bibou. Ça c'est ma crème pour les pieds, ça va, je vais en avoir besoin. Et enfin, mon visage, mon savon pour le visage. Donc c'est tout ça, je suis super contente, c'est vraiment super beau. Et j'ai vraiment tout choisi. Tout est super bien expliqué sur leur site et c'est vraiment dingue, j'ai vraiment hâte de tout tester. Pour l'instant je me fais attaquer par mon bébé qui fait que des bêtises depuis tout à l'heure, qui est encore plus contente que ce soit pour moi. Ouais, il est temps de me maquiller, j'ai mis Eliora en temps calme là. Elle est hyper énervée et je sais pas, elle a sauté, elle s'est cognée contre moi, contre mon bras, sur le nez. Et j'ai pas vu sur le moment, mais là je viens de voir qu'elle saignait un petit peu du nez, mais vraiment un tout petit peu, donc je suis pas trop rassurée. Oui, il y a Tata qui est venue nous voir. Elle nous accompagne à l'école parce qu'évidemment je suis genre la super mauvaise mère, voilà, super mauvaise maman. J'ai encore oublié de déposer le dossier d'inscription d'Eliora, sauf que la directrice m'a appelée pour la genre 3e fois en me disant c'est aujourd'hui dernier délai, sinon on peut plus. Ok, c'est bon, j'arrive. Donc du coup, en fait j'avais demandé à Papa Loïs qu'il le fasse, il ne l'a pas fait, donc forcément ça a mis une semaine du coup pour que je m'aperçoive qu'il l'avait pas fait, parce que c'est pas quelque chose qu'il va me dire. Et le coup de fil de ce matin, j'ai fait oh j'arrive. Donc voilà, et je suis contente de retrouver ma belle sœur. Mon amour, tu vas dans le lit avec maman? Oui. Allez, moi je prends l'ordinateur. Et en fait, allez bébé grimpe. En fait là, je suis en train de vous monter le power of makeup et il va falloir que je vous filme aussi la night routine parce que la morning routine. Viens chérie. Maman, vos sourcils. Tu veux que je change quoi? Bon, la morning routine a super bien marché, j'ai eu plus de 2000 likes dessus, donc j'avais dit qu'à 2000 likes je vous la faisais. Tu viens bébé, on va faire le toboggan. C'est pas grave, viens on va au parc. Allez hop hop hop, c'est parti. Allez Ellie, on y va. Maman elle part sans toi. Tu fais attention où tu vas. Merci. T'es toute cotate hein. Et il y a la copine qui vient en plus. Copine elle vient. Elle vient tout à l'heure. Allez, let's go. C'est des cailloux chérie. Bon, maman elle préfère le parc en hiver hein. Parce que c'est là où il y a le moins de monde et là ça va être blindé parce qu'il fait super beau. Donc c'est sûr, il va y avoir une tonne de monde, de toute façon ça s'entend. J'espère que dans son toboggan ça va aller. Oui chérie, on va au toboggan mon cœur. Eliora, c'est une grande fille, elle veut faire toute seule. Tu crois que tu vas réussir toute seule? Oui. Je suis pas sûre. Vas-y. Vraiment, elle t'aide quand même. Allez hop. Allez Maria, vas-y avance. Je vais oublier. T'es en train de jouer? Oui maman, elle t'a rangé ça tout à l'heure. T'es gentille maman de ranger. Retire le manteau. Demain il fait beau encore, on pourra retourner au parc. Ah mais demain on n'est pas là.
c'est un truc de fou, tout le monde arrive en même temps. J'ai vu que Papa Louis était là. Il y a tout le monde, on va baisser la musique de Vaiana parce que sinon on va devenir ouf. Tout le monde arrive en même temps. Oh là là. Oui. On attend là, on attend sagement là. Viens avec maman. T'es contente? Toute la vie. Regarde, qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Tiens, ça. Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Hey. Hello. Oh la pitchoune, elle s'est endormie dans la voiture? Eh ouais. Et c'est une chatte 500. Ah excuse. Attends. Ah excuse. T'es parisienne ou tu l'es pas? Ouais, nous on est à 5008, nous on dirait ouais. Ouais, c'est ça. Bon, j'avoue, on a le C4 Picasso. Hein. Mini ascenseur parisien, on passe la Kiddy en double. Je me mets sur le retour, moi. Coucou vous. Salut. Ah. Je vous ai présenté Lali, Lali Flouch. Ma copine blogueuse. Hop, là on part faire des courses. Parce que j'ai la flemme de faire la pâte pour la tarte. Toute fainéante. Ouais. La honte. Ouais, grave. Vous avez même pas vlogué tellement on a été occupés. Là, non, c'était ton sac. Donc on a fait manger les petites. On leur a fait une tarte tomate courgette avec un peu de gruyère râpé. Ellie était beaucoup trop fatiguée pour manger, je sais pas. Elle râlait parce que la pizza, parce qu'elle appelle ça une pizza, était cassée. Elle nous a fait un pétage de câble au milieu du repas, donc du coup elle est allée s'allonger dans mon lit avec le biberon et elle est revenue remanger un peu de tarte et puis après elle est repartie et là elle est en train de jouer avec Eden, donc la fille de Lali. Bon, ça y est, Lali vient de partir, elle aura fait dodo, je vais vous la montrer. Mon petit cœur, elle s'est endormie en 3 secondes et demie, elle est crevée, elle était crevée, normal. Là maintenant, je vais débarrasser la table et je vais aller me coucher aussi. Demain sur ma page Facebook, donc ma page Facebook c'est les Bécots de Becca, c'est pas compliqué, vous avez le lien en barre d'infos, je partage le concours de la page Club Maman et c'est un concours pour gagner, il y a 3 poussettes cannes McLaren à gagner, du coup c'est un super super concours, allez-y, allez-y, allez-y. Et donc là maintenant je vais me coucher, je débarrasse la table, je vais me coucher, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain.